On est à Atlantic City. On a déjà perdu 200 dollars à la roulette. On remonte dans la chambre. Il fait trop chaud. Pas de climatisation. Se recouvrir de glaçons. Attendre. Une décision transparente. Se barrer. Louer un gros pick-up Toyota rouge. Avaler un demi-pâte de poule concassée avec un quart vent de printemps. Gélule magique. Savait voir des grues, dit la notice. Des grues à 1000 à l'heure plein nord. Ma Toyota est fantastique. Je roule. Je pense en roulant. On est parti. On répond à l'annonce. On va à l'adresse. On se lance. Ça ira. On s'achètera tout au fur et à mesure que la température baisse. On verra bien. Duffel coat, caleçon long, gants de soie. On monte vers la neige. Par palier. On roule. On roule avec des pensées. On se glisse dans le déjà-vu. C'est rassurant, on est dans la zone ultra connue, le voyage grand V. Une seule idée en tête, on se développe dans les images, on fonce dans les clichés. Un petit homme à perruque traverse les champs blancs. C'est connu, c'est ça qu'on cherche. On s'autonomise au moment où on rentre dans la légende. Je suis un cobaye, c'est merveilleux. On se le dit à haute voix, on parle fort dans la voiture. Ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir juste dire ce qu'on est en train de faire. Deviens ce que tu es. Je ne suis plus celui qui était. Sensation d'ici, enfin, comme on rougit. Afflux chaleur, mot égal maintenant. Parler ici bien, moi content. Nouveau V8 à 32 soupapes. Contrôle de stabilité, blocage du différentiel, c'est ma Toyota. Quatre roues motrices, c'est très pratique. Les pneus énormes épousent tous les accidents possibles. C'est la princesse aux petits pois. Chaque vibration donne un renseignement utile sur la route. Chaque pensée se divise en branches. On roule avec des pensées. On enlève de chacune la part inutile qu'elle contient, souvenirs gazeux, vapeurs anciennes, et on recommence à l'infini. Comme ça, on avance. Cerveau arbre, on mouline. Admission, compression, explosion. Je naquis d'un coup dans le ver des mélèzes. Ça ne va pas du tout. Mauvaise période. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça n'avance plus. Tu devrais voir quelqu'un, etc. Changer de vie, avec le temps tout s'arrange, etc. On lit les annonces des heures et des heures. Journaux locaux, magazines. On cherche désespérément une idée et on tombe là-dessus. Cours royal en exil. Programme de reconstruction d'images. Cherche paysagiste. Chambre dans chalet. Sportif bienvenu. Cours royal en exil. Cherche paysagiste. Une dynastie en fuite? Au ski? Laquelle? Bourbon-Parme? Hohenzollern? Branche cadette d'un empereur esquimau? Un château au sport d'hiver? Le chambellan en luge? Le grand écuyer en bobsleigh? Le trône sur peau de phoque? Messieurs, la cour! Arrivée de la reine en combinaison vert-pomme? Le roi à son téléphérique privé? Siège en bison? Room service aérien? La vraie vie! Connaissance en décoration intérieure et extérieure exigée. Artiste s'abstenir. Chambre dans chalet, nourrie, logée, blanchie plus prime, envoyée prétention. Reconstruction d'image. Ça veut dire quoi? Dessiner un nouveau blason, nouveau logo, un audit, un paysagiste, pourquoi faire? Image en baisse, on voudrait changer de style, la décoration ne va plus, on arrête les géraniums. Est-ce qu'on peut rajeunir l'image tout en gardant l'ancienne? Mais aucun problème, tout est dans tout et en plus, je peux faire répétiteur du dauphin. Une autre corde à mon arc, j'avais répondu. J'aimerais votre dauphin comme la prunelle de mes yeux. Pas de châtiment corporel, pratique d'instruments, direction de conscience, tournoi maison, etc. Pas de futur roi sans divertissement, bien sûr. Et puis, esthétique, pourquoi pas? Enseignement de jardin, plans aquarellés, maquettes, moulage sur nature vivante, bref. Comment concevoir un grand parc? Un futur roi se doit de, etc., au cours de son règne, mais peut-être dès le début, etc. Vous trouverez sous ce pli mon certificat de champion de saut à ski.